Good morgen, allez, Iden et Sus rejoignent le Nishmat Fortuna Bat Louisa, Moshe Ben Yaakov Taraba Cohen et Rafael Zvulun Ben Itrak. Si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes à Tournel. Nous étions Maserhet Psachim, Rexaïn Mishnah Yudbet. Ever Sheyatza Mikzato, Chotech Ad Shemagia la Etzem, Vekolef Ad Shemagia la Perek, Vechotech, ou Bamukdashin, Kotsets Bakofitz, Sheenbo Mishum Shevirat Ha Etzem. Minagav velifnim kelifnim, minagav velachutz kelachutz, achalonot veovia choma kelifnim. On continue à parler dans notre Mishnah de l'interdit de couper, de casser un os du Korban Pessah, et comment de ce fait procéder lorsqu'on a un membre qui est devenu partiellement invalidé. Et on explique un petit peu. On avait déjà introduit dans l'émission précédente où on avait parlé que chaque korban, il a des limites dans lesquelles on doit le manger. Il y a des korbanot, les kodesh kodashim, les khatat, ils doivent être mangés ba'azara. Les kodashim kalim, les korbanot qui ont un niveau de kdusha moins strict, ils sont mangés à Yerushalayim, comme ceux qui disent la Mishnah de Ezum et Komat Shalzvachim là-bas. Il y en a qui sont des khalim ba'azara, il y en a qui sont des khalim Yerushalayim. En l'occurrence, le Korban Pessah, il est mangé dans tout Yerushalayim, dans toute la ville. Si on fait sortir le Korban Pessah en dehors d'Yerushalayim, il devient impropre à la consommation. Si toutefois on le fait sortir partiellement, on a commencé à sortir, mais on s'est arrêté, on a dit, hey, on n'a pas le droit de le sortir. Du coup, on a un morceau de... On avait, par exemple, imaginez, on avait tout un os entier rempli, couvert de viande, qui a commencé à sortir d'Yerushalayim. Alors, la partie qui est sortie, on ne pourra plus la manger. La partie interne, on pourra la manger. Laisser le membre tel quel, c'est un risque qu'on va plus, on va pas, on risque de déborder, de manger l'autre partie. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, la Michelle va m'enseigner qu'est-ce que je fais. En temps normal, avec un corban, il n'y a aucun problème. Je prends une petite hachette et je casse. Seulement, quand je suis avec un corban Bessar, je ne peux pas procéder comme ça, parce que l'os qui est sous la partie apte à la consommation, je n'ai pas le droit de le casser pour le moment. Du coup, comment procéder? Alors, c'est ce que la Michelle va m'enseigner. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, elle va me préciser la limite exacte à partir de laquelle je considère que le membre, il est sorti de Yerushalayim. Et je commence. Ever sheyatza mikzato, un membre qui est sorti partiellement. Choter achemagia laetzem. Donc maintenant, imaginez, on a eu 30% de... On avait une jambe d'agneau qui est sortie avec toute la viande qui était dessus. Il est partiellement sorti à 30%. Comment je procède? Choter achemagia la etzem. Ben, tu reprends, tu fais attention à bien garder la limite. Et tu vas prendre un couteau et tu vas la couper. Achemagia la etzem. Jusqu'à ce que tu vas atteindre l'os qui est à l'intérieur. Mais quand tu arrives à l'os, tu t'arrêtes. Et alors quoi? Vekolef achemagia la perek. Et puis ensuite, maintenant, tu vas être. Alors, kolef, ça veut dire que tu vas éplucher. Jusqu'à que tu atteignes le pérec, c'est la jonction avec l'autre membre. Parce qu'en fait, on ne parle pas qu'on a juste un os avec la viande. Parce qu'en théorie, on n'a pas encore commencé à casser le Korban Pessah. On avait tout le Korban Pessah entièrement et on a commencé à sortir avec lui. Donc on a un pied qui est sorti dehors. Du coup, donc on a tout le Korban Pessah avec, on a dit, 70% qui n'est pas encore sorti, 30% du pied qui commence à sortir. Donc là où c'est sorti, tu vas commencer à couper. Tu laisses la viande, et puis ensuite, tu vas éplucher la viande qui est consommable, tu vas l'éplucher jusqu'à ce que tu vas atteindre la jonction, donc on a dit du pied jusqu'à ce que tu vas l'entendre, par exemple, si c'était le pied, donc jusqu'à ce que tu vas arriver au genou, par exemple, et là-bas, tu vas pouvoir ensuite la décrocher, parce que là-bas, lorsque tu vas séparer les deux os, tu n'es pas en train de casser un os, tu es en train juste de séparer deux os. Donc tu vas éplucher comme ça, jusqu'à ce que là-bas, tu vas le déconnecter, et tu récupères la viande, et tu vas, et vais donc vechoter. Ah, c'est tout, c'est plus précis ensuite. Tu récupères la viande, et puis notre os, alors tu devras... Il y avait marqué Zorko, je l'ai lu tout à l'heure, quand j'ai préparé mon chiour. Il va mettre de côté, en fait. Je ne pense pas qu'il va se dire qu'il va le jeter, il ne peut pas le jeter, il doit le brûler, nécessairement. On avait vu comme ça dans la méchante précédente, qu'il faut... Ayosé. Bon. D'accord, il le met de côté, puis il mange le reste de la viande.
Ça, c'est pour un korban pessar classique. Par contre, ou bamukdashin, pour un autre korban classique, qui est kodesh, alors, kotetz bakofitz, il coupe, il sectionne avec un kofitz. Le kofitz, c'est une hachette. D'accord? Comme les bouchers, ils ont un gros couteau comme ça, c'est une sorte de hache. Ils mettent un coup fort, et puis, ils le séparent, ils le sectionnent. Pourquoi? Pourquoi là-bas, je te permets de couper à la hache, et là, je te demande de faire tout ce procédé, de couper puis d'éplucher? Chez Enbomishum Shuratayitse, parce que dans les autres korbanot, tu n'es pas requis de ne pas couper d'os, casser d'os. Ok? Fin du premier sujet. Deuxième sujet à présent, c'est de définir précisément la limite entre l'intérieur d'Yerushalayim et l'extérieur d'Yerushalayim. Soit, c'est facile, ce qui est à l'intérieur, c'est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est à l'extérieur, c'est vrai. Mais dans l'épaisseur de la porte. Alors on va distinguer trois zones. Dans une porte, en général, il y a l'épaisseur des murs, mais la porte elle-même, elle est plus fine que l'épaisseur des murs. Donc en fait, on se retrouve avec avec le seuil qui est le seuil et le mashkov, je ne sais pas comment. D'accord, toute la partie de l'épaisseur de la porte. Comment définir? On va distinguer trois zones. Lorsqu'on ferme la porte, fermez la porte d'abord, et constatez, ce qui est à l'intérieur, c'est considéré comme intérieur. Ce qui est à l'extérieur, c'est considéré comme extérieur. Ça, c'est ce que la Mishnah va commencer à me poser la première. La Mishnah va même s'arrêter là. Elle ne va pas me préciser qu'est-ce que je fais avec l'épaisseur de la porte, en réalité, parce que ça aura un statut un petit peu délicat qui va changer entre la Hazara et l'Yerushalayim. Comme je vous l'expliquais, d'abord je traduis. Mina agaf velifnim kelifnim. Le agaf. Le agaf, c'est les portes qui sont mégoufotes, qui se touchent. Qui ferment. La gif de la toit, c'est-à-dire fermer des portes. C'est précisément là où les portes se cognent, en fait, parce qu'il y a deux portes. Elles vont se rencontrer. Lorsqu'elles se rencontrent, c'est le agaf. Donc, mina agaf velifnim kelifnim. Minagaf velachutz kelachutz. Depuis l'endroit où les portes se touchent jusqu'à l'intérieur, c'est l'intérieur. Depuis l'endroit où les portes se touchent jusqu'à l'extérieur, c'est l'extérieur. Ok? Et c'est tout. La Mishnah ne me précise pas plus. Qu'est-ce que je fais avec l'épaisseur des portes? Alors là, ça change entre Yerushalayim et la Hazara. Pour la Hazara, c'est Kadosh. Pour Yerushalayim, c'est pas Kadosh. Ouais, je vérifie que je ne me sois pas trompé. Ouais, mais qui avait guéri la porte, il fait un aussi rapport. Je pense que tout le monde le dit en fait. Il nous dit comme ça, le Dieu que nous avons dit, il y a un agaf atzmo, maquenon masugi, akan mesher Yerushalayim, de agaf atzmo kelachutz, à Yerushalayim, c'est ça. À Yerushalayim, l'épaisseur des portes, c'est considéré comme extérieur. Et par contre, dans la Hazara du Beth Amikdash, par le Korban Khatat et Hacham, qu'il ne faut pas faire sortir de la Hazara, eh bien, dans ce cas-là, on considère la partie, l'épaisseur de la porte comme l'intérieur, à une exception, c'est la porte de Charles Nicanor, c'est toute une histoire, c'est pas notre problème tout de suite. Et puis, on continue dans la Mishnah avec un dernier cas encore, c'est Achalonot Veovi Achoma. Les fenêtres et l'épaisseur de la muraille, Kelifnim, sont considérés comme l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, la Mishnah me dit, tu sais, par contre, si tu vas à la fenêtre, toute la fenêtre, tout le cadre de la fenêtre, tu manges, avec ton corps de Pessar, tu as une fenêtre qui donne à l'extérieur, au Jalaï. Tu t'approches même de la fenêtre, tant que tu n'as pas encore franchi l'épaisseur de la muraille, ça s'appelle que tu es à l'intérieur. Si tu le fais sortir dehors, apparemment, ça s'appelle que tu es à l'extérieur. Mais tant que tu es encore à l'intérieur, tu es dans toute l'épaisseur de la fenêtre, tu es encore à l'intérieur de Yerushalayim, tu n'as pas invalidé le Korban. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.